Salut à tous. Salut. Hey, alors aujourd'hui avec Fantin et Amantine, hop, qui est derrière. Voilà, on vous emmène faire une petite balade sur la plage d'Oulgat. Voilà, on a laissé nos vélos de côté, on a gardé les casques quand même, on ne sait jamais si on tombait sur un coquillage. Et bref, on vous emmène avec nous. On est à 360 degrés, aucune maison en vue. Alors on va poser la question. Perdu dans la brume. Perdu dans la brume. Amantine, une question. Pour retrouver Mimi, par quel côté nous devons aller ? Pour retrouver les maisons, où est-ce qu'on va ? De quel côté on doit aller pour retrouver les maisons ? Voilà, exactement ce que je me disais, c'est qu'elle se demande où sont passées les maisons. T'as dessiné un bonhomme, c'est super. Avec un bout de bois. Ah, c'est bien ça. Et toi ? Toi, tu fais une maison. Fais voir. À la maison. Elle est où la maison ? Là. Ah oui, super. Le problème du bout de bois, c'est que... Oui, après tu t'en mets partout. On va voir un peu plus loin, on va voir le bord de l'eau là. Amantine, tu veux ? Oui. On va voir l'eau. C'est très loin. Voilà, de quoi ? Je vous préviens, c'est très loin le bord de l'eau. Ah oui, parce que les marées ici sont très fortes. C'est-à-dire que l'eau se recule beaucoup, beaucoup. Et elle remonte très vite aussi. Oh, c'est quoi ? C'est pas du sable ça ? Non, ça c'est des coquillages. T'as vu là, c'est que des petits coquillages partout là. Oui, je sais. Mais à force, ça donnera, à force d'être broyé, ça donnera... Du sand. Du sable quoi. Ah oui, du super sand. Ah oui, c'est ça. C'est vrai que c'était fait à base de coquillages broyés, effectivement. Et on n'a pas l'air malin là, avec nos casques. Oh là, ah, il y a maman qui arrive aussi. Hey, vous la voyez là, à travers la brume ? Quoi ? Ben oui, c'est toi, on sait bien que c'est toi, mais on te voit pas là. T'es trop loin. Ah, elle est trop loin, hein, non ? Ah ouais, on a vu. Ouais. Ah ouais, c'est génial le décor là derrière avec la brume. Ouais. Nous sommes à Reykjavik. On pourrait se croire. Ça fait penser vraiment à l'Islande, moi qui suis allée. Moi, il y a un côté un peu lunaire là, comme ça. Moi, ça fait penser à la Normandie aussi. Oui, bien sûr. C'est moi qui l'ai dit. Bon, allez, on va voir l'eau. Nous, on était partis pour voir l'eau. Hein. Alors, on y va. Hein. Moi, je n'ai pas les bottes là. Mais c'est pas grave, pieds nus. Non, je plaisante. Fantin, il n'a pas les bottes non plus, donc on ne met pas les pieds dans l'eau. Hein. Elle peut y aller parce qu'elle a les bottes, équipée. D'ailleurs, elle n'avait qu'une envie, c'est elle voulait se baigner quand même. Hein. Et bon, là, il fait un petit peu frisqué quand même. Hein. Ouais, c'est ça. Alors, toi, tu fais attention parce que toi, tu as des tennis là. D'ailleurs, moi aussi. Alors, Je sais, je vais sauter. 1, 2, 3, yeah. Voilà. Amantine, pas trop loin quand même. Bon, alors, c'est là-bas, hein. On voit toujours pas la mer. Hein. Ouais. C'est... Amantine a décidé vraiment de se baigner, presque. Et attention la manche, là. T'es en train de mouiller la manche, ma puce. Je peux tout tenter. Voilà. Super Fantin est super fort. Il peut tout tenter. Oh oh. Amantine, c'est la plus tranquille, là, pour le coup, tu vois. Hein? Comme quoi? L'eau a pris le dessus! Regarde, elle a remonté son pantalon. Mais Amantine, t'as les bottes, t'as pas besoin de remonter le pantalon, ma puce! Ça va mouiller le pantalon! Non, parce que. Il est déjà mouillé son pantalon. On se demande comment t'as fait. Ah, faut pas faire rentrer de l'eau dans les bottes, hein, parce qu'après, ça va être difficile. Hein. Bon, moi, je propose qu'on essaie quand même de passer par le petit guet qu'il y a là-bas. Je vais essayer, oui, je vais passer. Alors si je tombe à l'eau, j'amène la caméra avec moi. Hein. Attention, oh, hop, 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 hop. Oh, ça va. Là, on peut passer, il faut pas que la marée remonte trop vite. Ah, maman. Mais c'est bon, toi, t'as des bottes. C'est presque une épreuve Koh-Lanta, là.
Oh, elle est facile. Facile que ça. Et voilà, et là nous sommes de sec donc. Là nous sommes sur la lune. On est sur la lune un peu. Ah et là on voit rien. Vraiment, du tout. On a l'impression de marcher sur la lune. Et on a toujours le casque de vélo sur la tête. On sait jamais. Ah mais t'as une couronne, j'avais pas vu sur ton casque, il y avait une couronne de reine, de princesse. T'as vu? Il y a une couronne de princesse sur le casque. Ah oui, Lilo, il y a marqué derrière. Lilo? Non, Lilo. Attends, fais voir deux secondes. Ouais, c'est Lilo, mais avec deux O, oui. Lilo, c'est marqué dessus, c'est marrant. Alors, il y a une bouée. Alors, ok. Alors, attention, vous êtes prêts? Oui. 3, 2, 1, partez. Allez. Hé maman! Amantine! Allez! T'es suivi par maman! Allez! Hop! Allez! On y va! Amantine, oui! La course à la bouée, bon, Fantin est arrivé premier! Hop là! Les chaussettes un peu mouillées! Ouais! Les chaussettes un peu mouillées. Et maman, on peut repartir. Bravo. On peut repartir. Attention, bon moi j'ai les pieds tout mouillés maintenant. Toi aussi tu t'es mouillé les pieds. Bien les bottes. Alors Fantin a fini quand même par mettre les pieds dans l'eau. Sans faire exprès. Sans faire exprès, ouais. Là. Tu vois. Un petit peu mouillé. Toi il est un peu mouillé, pourtant t'as des bottes. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as éclaboussé, bah oui. Voilà, là on est vraiment au milieu de nulle part, hein. Presque on voit pas les maisons, là. Ben, on les voit plus, les maisons, tu vois, on voit plus le bord de mer. Alors c'est comme si, alors de quel côté on doit aller Amantine? Je vous montre, on fait le tour à 360 degrés, et voilà, on est à 360 degrés, aucune maison en vue. Alors on va poser la question, perdu dans la brume, Amantine, une question, pour retrouver Mimi, par quel côté nous devons aller? Pour retrouver les maisons, où est-ce qu'on va? De quel côté on doit aller pour retrouver les maisons? J'adore. Voilà, exactement ce que je me disais, c'est qu'elle se demande où sont passées les maisons. Elle ne sait plus où sont les maisons. Par où on doit aller, Amantine, là, maintenant? Par là-bas, c'est un grand cercle qui est décrit. C'est-à-dire, elle pointe pas trop mal. Alors, on va par où? Par là? Par là, ou par là, ou par là encore. On va par où, Amantine? On te suit. Par où? Par où? Par là. On va par là pour les maisons. T'es sûr? Vers les mouettes? Je pense que moi je vais retrouver la maison. Non, là, voilà. Typiquement, donc, Amantine s'est perdue. Quoi qu'elle a, instinctivement, elle va vers le bon côté. Hein. Elle retourne vers la bouée déjà, donc c'est bien, bon signe. Voilà. Ah, je te dis, on est sur la lune. C'est assez exceptionnel en fait ce temps. Ouais. Parce que on a une impression d'immensité. Ouais, c'est assez chouette. Tiens, écoute, Fantin, t'entends? Écoute. Qu'est-ce que t'entends? Ah, ça change, hein. C'est calme. Hein. Ah. Alors, Amantine. On les voit les maisons là? On te suit là ma puce. Tu nous guides hein? Tu nous guides hein? Elles sont où les maisons? Par là-bas. Par là-bas tu penses? T'en vois une? Elle est super concentrée. Ouais t'en vois une là, il y en a une là-bas effectivement. Bravo, on peut lui faire confiance hein, pour ce... Par là-bas les maisons. Ah par là-bas les maisons, voilà, merci ma puce, au moins on n'est pas perdu. Hein. C'est bien, c'est notre guide. Alors on y va, on va vers les maisons. Ah par contre, il faut retraverser là. Ah oui, et là ça va être pas facile. J'ai l'impression que le niveau a monté. Ouais. Amantine, il faut appeler la mouette vite. La mouette, comme ça elle va venir nous voir peut-être. La mouette. Mouette. Mouette.
Mouette. Mouette. Tu vois, elle commence à arriver. Mouette. 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 Ah, mais non, c'est une guêpe qui arrive, c'est pas du tout une mouette. 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 Elle arrive. Faut mettre mouette. Les mains comme ça, Amantine, sinon mouette. Elle n'entend pas. Enfin, faut mettre les mains comme mouette. Ça. Mouette. 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 Bravo! Eh ben, elles sont toutes parties maintenant. C'est pas, c'est, elles n'ont pas bien entendu, je crois. Tant pis, on réessayera une autre fois. Il y en a une qui vient, regarde. Ah oui. Ah oui, il y en a une là-bas, tu vois. Mouette! Elle est un peu déçue. Hein, pour... Mouette! Alors en fait, je ne suis pas sûr que c'est la bonne technique pour les appeler les mouettes. On essaiera avec du pain, Amantine, c'est mieux, je pense. Toi, t'as pas appelé les mouettes. Mouette, mouette. Ah non, avec les mains, on a dit. Mouette, mouette. Mouette. Oh, ça résonne. Ah ouais. Mouette. Ah ouais. Ah, ouais. Ah, il y a un écho, dis donc. Mouette. Attendez. Mouette. Ah, génial, on va faire. Attends, on va faire. Des mots jouets. Ah, ça marche pas. Des mots jouets. Ah oui, ça marche. Des mots jouets. Ah, disons, elle commence à repérer dans tout le gars. Des mots jouets. Mais crie. Ah bah d'accord. Mouette. Ah, ça marche. Des mouettes. Attends, Martine a fait des mots jouets aussi. Vas-y. Des mots jouets. Des mots jouets. Ah, on entend. Hein. On entend bien. Hein. Bon, ouais. C'est rigolo. Et nous qui voulions passer inaperçu. C'est la première fois. C'est moi, jouet. C'est moi, jouet une save. Oui, c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit. N'importe quoi. Je suis dit des mots jouets, je sais pas. Ouh, ouais, save. Attends. C'est moi, jouet une save. On peut peut-être appeler Mimi. Hein. Mimi. Arrête. Mimi. C'est moi, jouet une save, Mimi. Mimi. C'est moi, jouet une save, Mimi. Ouais, attention, il y a une crotte. Même sur la plage. Bah. Mémé. Crotte. Mémé. Voilà, bah, on a terminé notre petite balade sur la plage. On espère que ça vous a plu. On était un peu au milieu de nulle part. Hein, mais... Ouais, c'était notre petit tour sur la lune. Enfin, ah, moi, non, j'ai envie de voilà. dire. Parce lune, que peu, vraiment, c'est lunaire comme une paysage. Lune, ouais, une lune oulgatienne. Voilà. Bon, bah, à plus. Abonnez-vous, on partagez. Pouce bleu, commentaire et à demain. Et content. Comme quoi, hein, les week-ends, même quand il fait pas beau, c'est quand même assez génial même parce sympa. Que il y a toujours des choses à faire. Voilà, et maintenant on va reprendre les vélos, tiens. Hein.